Bring me a bucket. Donne-moi le petit bol qui est là-bas. Transparent. L'autre qui est plus grand que ça. Bonjour, bonjour. Je ramassais l'eau avec hier, tu n'as pas vu. Pardon? Non, je ramassais l'eau avec hier pour verser sinon. Va regarder alors dans ma douche. Bonjour, bonjour, bonjour. Je voudrais que vous allez sur ma chaîne YouTube pour vous abonner. Parce que je vais faire beaucoup de vidéos sur YouTube maintenant. Facebook a souvent des restrictions qui énervent. Vous me voyez diffuser comme ça, mais vous ne savez pas comment ils emmerdent souvent sur Facebook. Donc, le nom de YouTube, c'est le même nom qu'on a sur Facebook, de Deep Digger Academy. Donc, allez là-bas vous abonner. Maintenant, ouvre la porte là-bas, elle entre. Elle est dehors. Est-ce que tu l'as amenée dehors? Non. Tu vas sortir avec elle. Donc, bonjour à tout le monde. On ne coupe pas. Ne coupe pas à la maison, c'est quoi? Quitte-moi. Prends ça, laisse, pardon. Ok. Je vous ai demandé, quand vous vous connectez, je voudrais bien que vous fassiez, je vais faire plus de directs sur YouTube. Donc, habituez-vous à aller sur YouTube, je vous en prie. Facebook a trop de restrictions. Parfois, Facebook embête. Arrête de bouger. Mon chien, c'est... Celui du Cameroun, c'est Soleil. Et celui du Gabon, c'est Reine. Bonne année. Ok. J'ai un message très très spécifique pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous subissez beaucoup de... Vous avez beaucoup d'objectifs? Bonjour Joseph, bonne année. Cette année 2023, vous avez les objectifs que vous avez fixés. Bonjour Christelle, l'amour. Ce qui est bien sur YouTube, c'est qu'on ne peut pas te voir. Donc, je sais pas comment on peut dire. Sur YouTube, on ne peut pas savoir qui tu es. Un truc comme ça là. Allez mettre des faux noms sur YouTube, vous me suivez là-bas. Nadège, si rien ne donne dans ta vie, lave-toi avec du sel. Si tu te laves avec du sel, ça ne donne pas. Désabonne-toi, c'est que je ne peux pas t'aider. Je ne sais pas faire pour tout le monde, tu as compris? Les gens qui sont paresseux là, vraiment, je ne suis pas vraiment fait pour vous. Donc, quittez de Facebook. Je suis aussi sur YouTube et j'ai lancé le direct sur YouTube. Donc, allez là-bas. Ne m'attendez pas dans une ville pour venir me voir. Je ne fais pas les meet and greet. Je ne fais pas.
Je ne suis pas ouverte pour qu'on vienne me voir. Donc. Parce que je connais les Decepticons. Je ne suis pas quelque part pour qu'on vienne me voir. Si tu veux être consulté, commence d'abord tes lavages au sel. Et puis tu pars dans un des centres, Douala, Yaoundé, Abidjan. De là-bas, ils peuvent me contacter. Je vais te dire ce que tu dois prendre. Voilà. Il y a quelques personnes qui sont déjà venues sur YouTube. Bonjour, Belagie. Mettez des likes sur YouTube aussi. Donc, allez sur YouTube. Je vais commencer à refaire mes directs sur YouTube. Facebook embête. Parfois, tu postes des vidéos, Facebook vient faire les restrictions. Ils sont chiants. C'est vrai que sur Facebook, j'ai dit ça, mais Facebook vous est un peu énervé. Voilà. Ok. Bon. Il demande la présence du Saint-Esprit. Espérons que je vais parler. Que le Seigneur m'inspire pour que je puisse vous donner ce message exactement comme il me l'a montré. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous manque, ce n'est pas l'argent. Bonjour Clara. Tu n'as pas besoin qu'un oncle vienne te pistonner. Ce n'est même pas de moi que tu as besoin. Votre problème actuellement, c'est que vous avez beaucoup de distractions et vous ne savez pas comment gérer votre énergie. Je vais finir ce direct sur YouTube. Il y a les gens qui sont en train de venir se connecter ici. Là. Connectez-vous sur YouTube. C'est le même nom sur YouTube. Je suis en direct là-bas. Donc, il y a des gens qui viennent sur YouTube. Venez sur YouTube ici, là. Facebook, tu peux te lever un jour comme ça. Facebook a bloqué ton compte. En fait, ils sont un peu bizarres. Facebook est bien pour les lives, mais. Après ça, Facebook ne donne pas l'argent. C'est vraiment parce que vous êtes paresseux. Vous êtes très paresseux. Un matin à 4h, le Seigneur me réveille et puis me montre comment beaucoup de personnes, parfois tu te lèves le matin, tu dis ok. Je vais aller à tel endroit. 2023, je vais écrire mon livre. Ok? 2023, je vais faire telle chose. Je ne sais pas quel est l'objectif que vous avez fixé. La semaine où tu dis ça, tu as ton ex qui commence à t'écrire. Tu as ton ex que tu as aimé là, que ça t'a pris 5 ans pour l'oublier. En 5 ans, chaque gars qui venait dans ta vie te disait que tu aimes encore ton ex. Mais je l'aime plus, je l'aime plus. C'est quoi? Je l'aime plus. Écoutez, 99% de ce que moi je vous dis, c'est d'avoir mes propres situations. Quelqu'un qui s'est levé un beau matin, il t'a quitté pour rien. For nothing, for no reason. Tu es resté bouche bée comme ça, que qu'est-ce que je t'ai fait? Te créant des douleurs que tu ne peux même pas décrire à quelqu'un. Ça te prend du temps pour comprendre. Certains de vos mariages qu'on a, on a gâtés là, ça vous a fait du bien, mais vous ne savez pas. Bonjour, Bijou. Francine, bonjour. Certains de vos mariages qu'on a gâtés, les gens-là vous ont fait du bien, mais vous ne savez pas.
Parce que les gens là, vous enterrez, donc on va dire l'homme ou la femme là, t'enterrez à petit feu. Tu ne savais pas. Tu mourrais à petit feu dans la relation. Tes rêves mourraient. Tes projets mourraient. Si vous venez d'arriver sur ma vidéo et vous êtes sur Facebook, je vous commande ou recommande de partir sur YouTube. Je suis en train de faire le direct aussi sur YouTube. Donc, il y aura des moments où je ne vais plus faire le direct sur Facebook. Je vais aller moi sur YouTube faire mon direct. Donc, ceux qui sont sur YouTube maintenant, donnez-moi les pouces comme ça. À moins que vous nous soyez des Decepticons. Si vous êtes des Decepticons, donnez les pouces comme ça alors. Mais faites un pouce quelque part là-bas. Et activez les notifications. Comme ça, quand je vais faire, quand je pose des vidéos, vous pouvez voir. Si vous voulez savoir comment Dieu me montrait ça. Le fait que tu prennes ton téléphone et que tu parles avec quelqu'un. 20 minutes. 10 minutes. Tu es en train de dissiper ton énergie. L'énergie apporte l'argent. L'énergie te permet... Ton énergie, c'est dans ta tête-là, c'est là. C'est pour ça que les réseaux sociaux, le temps... Ça vous est jamais passé à l'esprit. Pourquoi est-ce que plus de temps je passe sur un réseau social, plus ils ont d'argent? C'est spirituel. Ton attention est ton énergie. Et c'est la monnaie la plus chère que vous payez. Écoutez-moi bien. C'est la monnaie la plus chère que vous ne savez même pas. Facebook, partez sur YouTube. Je vous dis, vous restez tous sur Facebook. Je vais couper Facebook un moment. Et je vais moi rester sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube maintenant. Quittez de Facebook si vous voulez regarder mon direct. Vous partez sur YouTube. J'ai le même nom sur les deux plateformes. Vous tapez The Give Giga Academy, vous allez me trouver. Le seul truc avec YouTube, c'est que quelqu'un ne peut pas te trouver sur YouTube quand tu es en direct. Alors que Facebook, en passant comme ça, tu peux aussi voir quelqu'un. Ce qui est en train de te tuer actuellement, c'est que tu n'as pas la capacité de te lever et de dire que je ne fais plus ça. Ou bien je fais ça. Le petit téléphone que tu as dans ta main là. Et que tu connais que ça prend 80% de ton énergie. Je dirais même 90%. Parfois tu regardes ce que tu prends. Je vous assure que TikTok. Souvent quelqu'un vient ici me demande que wow, j'ai besoin de telle chose. Je passe, j'entre dans TikTok en disant que je viens chercher le lien d'une de mes vidéos pour donner à la personne. Et j'ai dit que je maîtrise, que je ne peux pas. Non, je ne peux pas me distraire. 20 minutes plus tard, je suis venu sur TikTok pour faire quoi? J'ai oublié. Je sors de TikTok, je repars dans WhatsApp. Et la WhatsApp encore dans la conversation que j'avais avec la personne. C'est là que je dis, ah oui, je devais prendre la vidéo du tout. Oui, je repars encore chercher la vidéo pour venir donner à la personne. Voilà vos ennemis de destinée que vous avez. L'ennemi est comme... L'ennemi, c'est une substance invisible que tu ne vois pas. De la même façon que Dieu, tu ne le vois pas. Tu sais seulement, ton esprit écoute Dieu. Et de la même façon que je reste, oh my God, hier alors ça m'est tellement arrivé. Je reste comme ça, j'écoute une chanson. Moi, je me soigne l'énergie dans la journée avec les chansons. Donc, on va voir que je suis un peu down, like, quand je sais que j'ai beaucoup de travail à faire, je prends mes écouteurs, je mets les chansons qui me poussent là. Donc, la chanson que j'ai mis est finie. C'est passé sur une autre chanson. Et cette chanson-là, c'est une chanson que, quand je me séparais de mon ex, j'écoutais beaucoup. La chanson passe, mais cette fois-ci, j'ai programmé mon subconscient pour ne plus penser à mon ex. Ce qui fait que ça passe, la chanson passe, ta-da-da-da-da-da-da-da. Je vous assure, à la moitié de la chanson, mon ex m'appelle. J'ai dit, hein?
le subconscient. J'ai dit the devil is a liar. Plus tard dans la journée, je sais pas quoi ce que je faisais. Il y a quelqu'un qui me fait des problèmes sur les réseaux sociaux là. Bon, il y en a toujours. Hein. La personne commence à faire les menaces. Il commence à faire les menaces. Elle a fait les menaces sur sa page à lui. Je vois le truc, je me dis. Pff. Pendant que je suis en train de lire, je vois le post que la personne a fait. La personne envoie un email dans mon département Je vous dis qu'à l'instant où je suis en train de regarder le post, et je me dis, je n'ai même pas une seconde pour consacrer aux gens comme ça. I don't have the time. Je ne vais même pas commenter. Je ne vais pas faire un post pour répondre. Je ne vais même rien. Je vois mon secrétaire qui me dit, madame, telle personne vient d'envoyer un message pour dire que vous l'avez fait un post pour l'indexer sur les réseaux sociaux. Il dit qu'aujourd'hui là, ma pensée, c'est là, je ne sais pas ce que je dois faire. Tout ce que je... Donc, je reste un moment. J'ai un ami avec lequel je suis en train de faire un deal actuellement. Je m'apprêtais à faire un travail sur quelqu'un. Je reste et dis, oh là là, j'espère que le gars est parti là où je l'ai envoyé. J'espère que... Pendant que j'ai entendu que j'espère que... Mon téléphone sonne. C'est lui. Bonjour, tu as fini. Donc, partout où je me tournais nécessairement, je veux que vous puissiez comprendre que vous pouvez vous asseoir chez vous. Si tu peux t'asseoir, tu commandes ou tu, inconsciemment, sans le savoir, tu commandes quelqu'un qui est aux États-Unis, il pense à toi et puis il te répond. Facebook, je vais aller sur YouTube. Je suis en train de faire le direct sur YouTube, donc allez sur YouTube, vous connectez. Facebook m'énerve aujourd'hui. Facebook, tu m'énerves aujourd'hui, ok? Je vais arrêter ce direct d'environ 10 minutes et je vais continuer sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas parti sur YouTube, vous allez manquer la fin de mon direct. Je vais juste te dire comme ça là. C'est vous connaît. Quand il parle, vous faites tout comme si vous n'entendez pas. N'entendez pas. Comme vous êtes levé ce matin, vous avez un décret d'énergie. Malheureusement, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, ça veut dire que vous étiez... Si vous n'avez pas vu la notification avant de venir voir ce que j'ai dit, ça veut dire que vous étiez sur les réseaux sociaux au hasard en train de zapper. Et ça, c'est nocif pour vous. Ça, c'est nocif pour vous. Il y a une force que tu contrôles. Un côté est positif et t'apporte ce que tu veux. Mais pour maîtriser cette partie-là, c'est très difficile parce que à l'opposé, il y a une autre force. Et le problème, c'est qu'on nous parle... C'est un peu comme si les deux forces peuvent fonctionner pour toi ou contre toi. Mais depuis que tu es né, Yahoo, tu as toujours te manque de son sur tes vidéos-là. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Tu as toujours dit que je n'ai pas le volume, je n'ai pas le volume. Voilà les gens de YouTube, personne ne m'a dit qu'il n'a pas le volume. Donc, il faut changer ton téléphone. Malheureusement, tu vas trouver sur les réseaux sociaux, à l'école, ta maman, même ton père, même personne ne t'a enseigné comment maîtriser cette force. Comment utiliser la force pour te faire de l'argent. Pour vivre pleinement ta destinée. Toi, tout ce qu'on t'a dit, va à l'école. Va à l'école. Tu as combien de moyens? 10. Ah, c'est bien, passable. Va à l'école. Va à l'école. Combien d'entre vous gagnez de l'argent avec ce que vous avez fait à l'école? Bonjour Simplice. Combien, dites-moi,
Est-ce que tu es en train de toucher, est-ce que tu es classé, parce que j'ai vu un reportage qui disait que quand tu gagnes 7 000 euros en France, tu es classé comme riche. Combien d'entre vous qui me regardez, vous avez 7 000 euros le mois avec ce que vous avez fait à l'école? Répondez-moi. Et soyez sincère. Non? Voilà comment l'école t'a appris. Ah, tu veux gagner de l'argent demain. Même dans les films que vous regardez. Je regardais un film là une fois. Et à un moment, le Saint-Esprit me dit, regarde comment vous programmez. Greenleaf. Greenleaf. Tout ce que vous voyez dans les Netflix, la télé, les réseaux sociaux, dans votre ville, c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer que. Tu vois une femme, elle te dit, ouais, I'm looking for an apartment. En français, je cherche un appartement dans la ville parce que je veux me rapprocher de mon fils. Et le gars lui demande, tu as trouvé un boulot? Donc, celui qui regarde le film va comprendre que si je suis aux États-Unis, peu importe où je suis, et je veux avoir un appartement, j'ai besoin du boulot. Donc, on t'a fait croire que, ok, tu vas acheter la maison. Oh, j'ai besoin d'un boulot. J'ai trouvé un boulot, maintenant je peux acheter la maison. Donc, on a conditionné votre esprit. La seule façon dont tu peux te faire de l'argent, va travailler pour quelqu'un. Assois-toi de 8 h à 17 h, ou bien de 8 h à 20 h, ou bien de 20 h à 8 h le matin. Je vais couper Facebook, je vais aller sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube en même temps maintenant là. Mais je vais arrêter Facebook tout à l'heure et j'irai sur YouTube. Donc, si vous regardez ma vidéo plus tard, vous allez partir regarder la suite sur YouTube. Et sans le savoir, tu te retrouves dans un mindset. Je me dis souvent que, bon, attends, si je naissais en 1700, si je naissais quand il n'y a pas l'école. Si je naissais en 2050, est-ce que vous voyez comment la technologie est en train de prendre dehors? L'autre jour, parce que ma fille fait des cours, bonjour, Lencho. Ma fille fait des cours sur une plateforme qui n'est pas en Afrique. Et dans mon école que j'ai pendant les vacances, je montre tout aux enfants, sauf l'histoire, la géographie, les mathématiques. Les enfants font Photoshop. L'année prochaine, ils feront cette année 2023, ils vont faire du trading. L'année passée, ils ont fait des cours de secourisme, peinture, échecs, art oratoire, piano, réseaux sociaux et du coaching. Et chaque cours qu'on met, je dis toujours, montrer à l'enfant comment, s'il suit ça pendant 6 mois, il peut commencer à gagner de l'argent. Pas vos affaires compatées. Depuis 3 ans que tu as 3 ans, tu es à l'école. Te voilà aujourd'hui. Tu as 35 ans, 40 ans. Tu penses que ton salaire va augmenter quand? Tu penses que tu vas jouer les 7 000 euros là, tu vas gagner ça quand? Tu vas gagner 7 000 euros quand? Peu importe votre pays où vous êtes, leur but, c'est de vous conditionner. On veut te conditionner pour que tu croies que tu n'as pas le choix. Si tu veux la voiture, il faut que tu partes à la banque, que tu les supplies.
Tu leur montres que tu peux payer, tu leur montres que... Pourquoi ne pas te dire que tu peux venir payer cash? Pourquoi ne vous dit pas ça? Imagine, tu es né. Tu as grandi dans un environnement où dans ta famille, personne ne prenait le crédit à la banque. Papa dit, ah ouais, je vais acheter la maison de 500 000 euros là. Oui, tu rentres un jour, tu vois la valise à la maison. Il y a 500 000 euros dedans. Papa ouvre comme ça là. Il dit, oui, on va aller bien à la maison demain, chérie. Tu veux venir avec moi? Allez, viens. Vous arrivez, vous voyez le vendeur. Bonjour, monsieur. Oui, l'argent est là sur la table. Il ouvre. Il a cinq personnes. Il s'asseye, il commence à compter. Tac, 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 tac. Ah, c'est super. Signez le contrat. Et si tu grandis dans ce genre d'environnement, c'est qu'à 30 ans, tu n'as pas de difficulté à te dire, ah, j'ai mon objectif. Je dois me concentrer sur la maison d'un million d'euros là, non. Faut que j'achète ça. Faut que j'achète ça. Le mois-ci, pam, tu fais un business, 200 000 euros entre. On t'a conditionné que pour payer 200 000 euros, il te faut 15 ans. Et tout c'est l'énergie, je vous dis. Les Jeff Bezos, les gens que vous voyez à la télé, ils ont l'argent là. Quand tu vas voir leur biographie, au départ, même s'il n'est pas né dans cette condition à la maison. Donc dans 5 minutes, je vais arrêter Facebook totalement et je vais aller sur YouTube. Donc quittez de Facebook, partez vous connecter sur mon YouTube. Je suis en direct sur YouTube. Vous allez voir que ces personnes, même s'ils sont nés dans une maison pauvre, à un moment, leur esprit a cru que, mais attends un peu, papa a fini, il m'a laissé une maison de 100 000 euros. Mais moi, je peux me retrouver avec même 5 maisons de 10 millions d'euros. Je peux. Une idée venue dans sa tête. Et la majorité de ces personnes-là, vous, si vous regardez bien leur quotidien, ils partent toujours. Si tout le monde va à gauche, eux, ils partent toujours à droite. Leur façon de faire les choses est toujours bizarre. Parce qu'ils n'aiment pas. Moi, je n'aime pas le conventionnel. Un jour, j'étais à Paris. On allait faire un photoshoot à côté de la Défense. Mais je ne sais même pas. Il y a un endroit, un très grand espace vide comme ça. C'était dimanche. Donc, il n'y avait pas trop de personnes. On finit de faire les photos. Parce qu'avant, j'avais des services où les gens pouvaient payer et puis on leur fait un photoshoot. Un coaching slash photoshoot. Oh, Francine, tu faisais le bain de. Tu avais les fausses couches avant et tu as fait le bain de sel. Et le mois qui a suivi, tu es tombée enceinte. Waouh! Nous protégeons cet enfant. Nous déclarons que cet enfant arrive à destination. Au nom de Jésus. Tu accouches sans problème. J'ai aussi une dame comme ça là. Elle est venue en juin prendre le kit fondation. Non. Le kit déblocage simple là. Elle dit qu'elle faisait des fausses couches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'autre jour, elle est venue en décembre. Oui, décembre. Fin décembre. Elle est venue. Elle me dit, je suis enceinte de 5 mois. Donc, en juillet qui a suivi, elle est tombée enceinte. Elle est à 5 mois de grossesse. Donc, elle accouche dans quelques mois là. Bonjour, Chakali. Ariane, pas sur YouTube. Je vais arrêter Facebook dans 4 minutes. Je veux que vous venez assister à mon direct sur YouTube, pas sur Facebook. Et ça, quand moi, je vous parle comme ça là. J'ai peut-être 3% d'entre vous qui vont comprendre ce que j'ai dit. J'ai consulté une dame avant-hier, elle me disait,
Non, je crois que c'était hier. Ouais. Elle me disait que quand son père est mort, quand elle avait 19 ans, à partir de ce moment, elle a beaucoup souffert. Elle a vendu le foléré. Elle a vraiment galéré. Et dans toutes ces galères, tu as. Elle avait toujours le rêve qu'elle peut changer sa destinée. L'étage là, tu la laisses ici, pardon. Donc elle savait que moi, je n'ai pas besoin de finir pauvre. Donc elle est restée comme ça au hasard. Elle a fait son. Elle a mis l'application pour la loterie américaine. On l'appelle, on dit, madame, vous avez réussi. Elle dit, hey, madame, ne saute pas sur moi, ne me lèche pas. Ah, ah. Et quand elle a eu sa loterie américaine, elle a fait un an pour faire ses papiers. Donc, quand on se parlait hier, elle vit aux États-Unis depuis quelques mois. Et elle disait qu'avant que je tombe sur tes vidéos, c'est vrai que ma mère ne croyait pas, mais j'ai toujours cru que je peux. Elle dit qu'en fait, justement, quand je parle de jet privé, elle dit que quand je parle de jet privé, qu'on va construire l'aéroport à tel endroit, elle dit que oui. Que moi, j'ai toujours su que je pouvais faire ces trucs comme ça, là, des trucs comme ça. Donc, elle avait déjà des rêves qui étaient dans son âme. Et elle se retenait seulement. La substance créatrice, c'est comme ça que je l'appelle. Donnez le nom que vous voulez. C'est une force qui est en toi. C'est une force qui est en toi. Que tu peux manipuler comme tu veux. Vois-toi un peu comme un potier. Tu as l'argile devant toi. Tu tapes. Quand on était petit, on faisait souvent l'argile. Moi, je n'ai jamais doué à ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui peuvent faire la tête. Tu fais je sais quand même que la tête était facile à faire. C'était rond. Tu fais la bille ronde comme ça là. Après, tu prends un petit bout de balai, tu perces les yeux. Après, tu fais le nez. Après, tu fais la bouche. Après, tu fais le corps carré. Le torse carré. Après, tu fais les pieds. Les pieds, tu roulais comme ça, là. Ça s'allongeait. Après, tu faisais les bras, ça s'allonge aussi, mais tu faisais les bras plus courts. Avec ça, tu pouvais faire la chaise, tu pouvais faire la tête de quelqu'un, tu pouvais faire la maison. En fait, ce que ta tête, ce que ton imagination voulait, tu pouvais créer. Le boulot que tu fais, le revenu que tu as là, ce n'est pas bloqué. Tu gagnes ce que tu gagnes parce qu'on t'a dit que c'est ça que tu peux gagner. Et que tu as cru. Et chaque personne a besoin d'un moment où tu as besoin d'un tic, d'un déclic. Tu as besoin d'un déclic. Où quelque chose se passe comme ça là, tu dis, c'est bon. C'est bon, je vais devenir riche. Ouais, ok. Ne saute plus sur moi. Hop. Je suis ici là. Elle a l'énergie que je ne comprends pas. Un jour, je me suis dit. Si c'est ma vie et que je vais mourir un jour et que quand je vais mourir, ça n'aura pas d'importance pour quelqu'un et que personne ne m'appelle pour me dire prends l'argent. C'est le même profil que j'ai sur YouTube. Donc je vais arrêter maintenant. Dans une minute, je vais arrêter. Facebook et YouTube, c'est le même nom. De Guy Diga Academy. Donc allez vous connecter là-bas.
Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ma vie selon ce que vous pensez? Pourquoi je délimite mon argent? Gandhi, je n'appelle pas ça la loi de l'attraction. Quittez vos choses là. Je n'aime pas les noms bizarres sur les choses. La loi de l'attraction. Je ne veux pas vous impressionner. C'est pour ça que vous voyez, je prends les exemples tellement petits. L'argent quand tu étais petit. Parce que vous aimez ça. La loi de l'attraction. Le pouvoir créateur. Le ceci. Hey! Reine, calme-toi. Calme-toi. Ouais, Seigneur Jésus. Je suis tellement excitée. Elle m'amuse. Je dis m'amuse. Chérie, pardon, mets-la dehors. Elle me distrait trop. Elle court dans tous les sens. Ne saute pas sur moi. Oh my God. Pardon, mets-la dehors. Oh my God. Bon, je vais couper Facebook maintenant. Je continue direct sur YouTube. Le nom sur YouTube, c'est les Gift Digger Academy. Le nom sur YouTube, c'est les Gift Digger Academy. Allez vous connecter sur YouTube. Vous allez me voir en direct là-bas.